Allez, c'est parti pour une session studio expliquée. Je travaille sur un titre, donc c'est celui-là. Ça, c'est, on est dans le drop. Attention, les oreilles. Ça craque un peu parce que ça prend, il y a pas mal de choses qui tournent en toile de fond. Donc je vais fermer ça, voilà. Et puis il doit y avoir, je sais pas quoi, pas mal de trucs que je n'utilise plus. Donc ça craque. Voilà. Alors c'est parti. Et là j'ai un problème sur le layering, c'est-à-dire l'empilement de synthé. Il tourne bien là au niveau, il tourne bien, donc on va regarder un petit peu comment ça tourne. Donc là il tourne bien, il sort bien. D'accord. Par contre, là j'ai l'impression quand même que ça manque de profondeur. On va pas chercher toute la profondeur du layering. Donc là, je vais chercher plus de profondeur. Et après, je vais chercher le glue, parce que le glue est un outil vraiment top en termes de compression. Donc je le sélectionne. Ping. Et ensuite, hop là, je mets le sidechain que j'ai pas activé pour le moment. Je rappelle que lui va couper les crêtes, le soft, là, quand vous l'activez. Ce qui fait que vous allez avoir plus de loudness. Est-ce que c'est le groupe kick qu'il faut bien? Donc on va aller voir si c'est bon. C'est bon groupe kick. Maintenant, alors ce qui me gêne, ça va être ça. Il en faut, mais il est trop présent maintenant puisque je suis allé compresser le groupe. Donc ça ressort plus. D'abord la faire au niveau du volume pour commencer à interpeller l'auditeur juste avant que les accords arrivent.
alourdi le titre, donc peut-être que je vais changer de synthé ici. Maison. Alors, le clap fait maison. Tac, donc voilà. Voilà, celui-là, je vais. Je sais que dernièrement j'ai travaillé sur un clap fait maison. Je pense que ça doit être dans le titre Like a Snake. Je vais aller chercher directement parce que je les ai travaillés. J'en ai sélectionné déjà. J'ai pas envie de refaire le travail sur ce que j'ai enregistré. Ça, c'est du brut. Donc là, je vais chercher le titre. D'ailleurs, le projet, je peux le basculer dans un autre. Il est plus qu'à 15%. Je vais le basculer sur un autre projet. Petite pause, 2 secondes. Voilà, de retour, c'est parti. Donc je vais prendre ça et je vais prendre les claps fait maison ici. Voilà. Donc j'avais déjà mis l'idée, mais vous voyez, j'avais pas le temps de travailler les claps. Du coup, là je vais les mettre. Et je vais effacer celui-là. Voilà. Je vérifie quand même. Donc là, apparemment, ils sont même bien positionnés. Donc, je vais prendre ça. Couper. Et là, je colle. Toc. Alors, il y en a un qui est un peu plus aigu que les autres, et ça me plaît pas. Deuxième là, celui-là il me plaît bien, celui-là il est bien sorti. Donc je vais peut-être celui-là aussi, je l'aime bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éclater le premier groupe de. Donc c'était bien celui-là. Premier groupe, apparemment j'ai fait des copier-coller de 4 donc. C'était celui-là. On commence. Celui-là. Voilà. Et là, peut-être un plus aigu. Il y a un petit son derrière là, je sais pas ce que c'est. Je vais voir un petit truc bizarre. Ah ouais. Donc là, je le pète là. Il est bizarre celui-là. Et celui-là. Pas mal. Donc déjà on va partir là-dessus, on va doubler, dupliquer, on y va. Parfait, donc voilà, pour l'instant c'est du G vendu, je garde ça, j'ai mes 4, donc là je duplique ici, le reste j'enlève ça, parce que ça se trouve peut-être qu'à un autre moment j'aurais besoin des aigus, couper. Même s'ils sont pas super propres, au moins, ce sera fait. Coller. Voilà.
ensuite ici on peut mettre. Voilà, on va aller chercher donc l'EQ parce que j'ai l'impression que le ride est un peu trop aigu. Donc du coup je vais ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire éclater ça. Celui-là est trop présent. Alors peut-être que je devrais le mettre tout mettre d'un coup pour donner plus d'ampleur. C'est que dans le layering, là, je l'ai toujours pas égalisé. Donc, je vais l'égaliser. Et il doit y avoir plein de fréquences cumulées à cause de ça. Donc, je vais essayer de voir un peu ce qui se passe. Ouais, tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça peut gêner. C'est ce que j'enlève. Et donc ça fait plus de place pour les autres fréquences comme le kick et la basse. Ensuite ça, je vais enlever la basse principale. Alors,
énormément. Est-ce que le release est nécessaire? Là, il va falloir que je fasse un choix. Soit j'envoie cette basse-là dès le départ. Voilà. Ou alors, donc soit celle-là. Soit c'est là. Alors, on va voir hein, ce que ça se trouve, les deux vont fonctionner ensemble, d'accord? Sachant qu'après, il y a ça qui arrive. Ça, donc on va essayer. Plus propre. Mais ça manque de patates et d'environnement assez chaud, donc je vais l'allumer. Vérifie la surcharge. Ici. Il y a trop d'air dans certains instruments, comme là. Là. Donc il y a trop de reverb. Alors ma difficulté, c'est de savoir par quoi je vais commencer. J'ai du mal ici à savoir. Est-ce que je vais par exemple mettre que ça? Lui, il est vachement présent. Là, je le fais au casque Beyer Dynamic, mais pardon, il n'est pas dit que avec la reverb sur des enceintes, le réglage que je suis en train de faire ne sera pas faux du coup, erroné. Voilà.
Alors là, je suis à peu près dans le bon flottement, dans le bon réglage, mais maintenant, je sais pas, j'ai du mal à savoir comment je vais faire partir le titre. Comme ça, c'est pas mal, hein. Envoyer. À envoyer la deuxième partie peut-être. Donc là du coup je fais ça. Voilà, là je copie l'enveloppe, je la colle ici. Voilà, peut-être que je devrais faire ça comme ça. Alors. Je vais commencer avec les instruments les plus lourds, bien sûr, donc celui-là. Ça, c'est pas mal déjà. Ensuite. Celui-là. Donc après celui-là. Frappe un peu trop ta 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 au lieu de faire one, two, one, two, one, two. Ça laissera de la place sur le kick au moment où il va frapper de toute façon. Et là c'est pareil, on a un problème de mixage dans ce titre là, dans ce synthé là. Donc pareil, on va en nettoyer un peu. Il est où? Il est là, on va le nettoyer. On va le nettoyer à partir de. Parce que le filtre, il va générer aussi des fréquences. Alors qu'est-ce que j'ai enlevé? On va écouter. Déjà avec tout ça enlevé. On l'entend pas, hein. Ça va déclencher dans les compresseurs ici, donc à la fin ici, ici, et ça va. On nettoie en fait tout, ça libère de l'espace. Là, c'est plus propre déjà. C'est pareil pour lui. Faut le nettoyer aussi. Voilà. Voilà, on va écouter. Ok.
celui-là est pas mal quand même. Lui enlever un peu l'attaque quand même. Ah, il veut pas marcher. Il est où? C'est pas celui-là, c'est celui-là. La dernière note, je vais l'enlever. Les dernières notes, voilà. Et là, ensuite, on repart. Et là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose lorsque j'enlève cette basse-là. C'est celle-là. Ça, il va falloir le nettoyer et celui-là aussi. Vous voyez. Donc je le prends. Celui-là. Alors avant et après. Alors j'enlève. J'ai des sur les sprites, sur les côtés, de chaque côté, ça fait. Là, je les aimais beaucoup moins. On va écouter. Ouais. Plus propre. Et pareil pour celui-là, hop, je le prends, contrôle, je le glisse là, comme ça il est déjà préfait, je le glisse ici. Et du coup on a un nettoyage de fréquence qui est beaucoup plus... On va écouter. Voilà. Et donc là on a coupé un maximum de fréquences, ici on recoupe les fréquences. On va écouter. Vous voyez tout ce qu'il y a encore. Là, hop, on va les mettre dans le sens dans lequel ils apparaissent dans le drop. Donc voilà, 1, 2, 3, on a les trois groupes. En gros, c'est voilà, là on a 3, là on a 2, là il y en a 2. Pour le layering, c'est suffisant. Voilà, et normalement, c'est ça, on va dupliquer. Ça et
l'amener petit à petit. Petit à petit, comme ça. Alors là, il faut voir avec le chanteur ce que ça peut donner. Donc là. Le 4 est pas mal. On y va, on écoute. Ah zut, je me suis planté de. Là, on a une espèce de son qui est là parce qu'on est en écho, en high. C'est un peu mieux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. On va couper la partie. On va faire le distinguo. D'accord. Un peu trop. J'en ai enlevé, je baisse. Voilà. Pas mal comme ça aussi. Donc c'est lui hein, qui a. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Et je reviens sur le drop. Ça rajoute du bordel, ça. Hein. Qu'il y a une saturation. Voilà.
pas mal. Donc voilà, en gros, là j'ai plus le refresh, donc je vais arrêter. Et j'ai fait pas mal de réglages qui vont faire en sorte que le titre soit de meilleure qualité et avoir d'autres idées pour la prochaine session de studio. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des messages ou à me poser des questions. À bientôt, merci beaucoup.